à toutes et bonsoir à tous, c'est Concerto en Fadjet. Concerto en Fadjet, c'est le magazine de la musique classique de Radio Fadjet que j'ai le plaisir de vous présenter tous les jeudis soirs de 18h30 à 19h30. Eh bien, merci à Edith et Daniel. On les retrouve la semaine prochaine à partir de 18h pour tout savoir de l'actualité BD. Bienvenue dans votre heure de classique et ce soir, on va parler trombone puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir dans notre studio le quatuor Helios, quatuor de trombone constitué de François Chapuis, Lionel Lutz, Arnaud Georges et Guillaume Lebowski. Alors, bonsoir messieurs. Vous êtes venu donc ce soir nous présenter votre premier disque intitulé tout simplement Première. Alors est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter le programme de ce disque ? Bien, bah, je pense que... Allez Guillaume. Oui, merci. Donc on peut dire de ce programme que ça reflète assez bien les morceaux qu'on a l'habitude de jouer. Mmh. Et donc... C'est assez éclectique dans le sens où on a des morceaux qui sont de périodes vraiment classiques, comme du Debussy, du Saint-Saëns, mais on a aussi des morceaux beaucoup plus modernes, comme des musiques de films, et puis avec quelques incursions dans le jazz, avec du Dizzy Gillespie. Oui, parce que le répertoire pour trombone, finalement, est en classique, est quand même assez limité, donc vous êtes un peu obligé d'ouvrir sur le jazz, où il a un rôle très important, le trombone, dans le jazz. Oui, tout à fait, en fait. Lionel Lutz. Le trombone est un instrument qui a été très utilisé à une période renaissance. Ensuite, il y a eu un gros trou au niveau du répertoire, oui. Et ensuite... Le trombone a été redécouvert par des compositeurs, au début par Mozart un petit peu, et après tout le romantisme là où le trombone a été vraiment exploité. Mmh. Et alors donc sur ce disque qui paraît en autoproduction, on va dire ça comme ça, il y a pas mal de transcriptions. D'ailleurs, certaines sont dues à des membres du quatuor Helios. Oui. Donc ça, c'est un exercice que vous faites aussi régulièrement pour étoffer votre répertoire de transcrire des œuvres classiques ou jazz qui vous plaisent. Bon, on a la chance en fait d'avoir deux spécialistes de la transcription. Donc en fait, il y a François Chapuis qui est plutôt spécialiste du classique entre guillemets, on va dire, et Guillaume lui qui est plutôt spécialiste du jazz, un peu plus moderne, voilà, ouais. Tout simplement. D'ailleurs, il y a aussi de la variété. Hein, j'ai vu sur le disque. On va écouter un peu différents titres de ce disque pour bien le présenter, pour donner un aperçu assez global de ce disque à nos auditeurs. On va d'ailleurs écouter un premier extrait. C'est un prélude pour piano de Debussy, La fille aux cheveux de lin, transcrit pour quatre trombones, c'est ça ? Oui. Et alors, vous avez ces quatre trombones de même tessiture ou non vous avez... Non, en fait, il y a trois ténors et un trombone basse. D'accord. Qui est Arnaud, le trombone. Qui est Arnaud. Et donc, ça, c'est un pari assez hardi parce que c'est une œuvre vraiment pensée pour le piano d'une certaine légèreté. Et finalement, on va s'apercevoir que le résultat est assez surprenant puisque il y a une incroyable douceur dans cette fille aux cheveux de lin pour quatre trombones. Et on va s'apercevoir que cet instrument qui sonne parfois la chevauchée des Valkyries peut être effectivement très doux.
Étonnante transcription de La fille aux cheveux de lin, prélude pour piano de Claude Debussy pour quatre trombones. Une transcription due à François Chapuis et donc interprétée par le quatuor Helios qui est notre invité ce soir. Alors, je dirais presque à l'inverse, voici une pièce qui cette fois insiste sur les graves du trombone. C'est l'Adagio de la troisième symphonie avec orgue de Saint-Saëns. Alors moi, c'est une œuvre vraiment que j'adore et j'ai été bluffé par l'imitation des sonorités de l'orgue par les quatre trombones. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette pièce qui figure également donc sur ce disque intitulé Première. En fait, donc déjà pour l'Adagio, donc c'était vraiment le but d'imiter la tessiture et puis la sonorité de l'orgue. Mm-hmm. Donc voilà, on voulait montrer qu'un instrument avant peut ressembler à un autre. Hein, on peut très bien les confondre. Et là, en fait, l'arrangement faisait très bien ressortir les harmonies justement qui sont propres déjà à Saint-Saëns et qui sont dans la tessiture grave du trombone, qui donne une certaine chaleurosité dans le son et de l'ensemble. Mmh. En tout cas, c'est vraiment très très réussi. Il y a d'autres pièces comme ça qui sont surprenantes, des lentos, des adagios qu'on peut comme ça transposer. Alors, pour le trombone, ce qui est très intéressant déjà, c'est le répertoire de Bruckner, donc le répertoire d'église. Mmh. qui est assez riche. Il y a beaucoup de transcriptions parce que c'est une musique très facile à arranger pour un ensemble de trombones. Mmh. Donc après, voilà, on joue pas mal de Bruckner. Ça fait partie du répertoire récurrent du quatuor de trombone et puis même il est mis en valeur dans le répertoire orchestral de Bruckner. Donc ça fait partie, oui, bien sûr, des œuvres qui sonnent très bien. Puis chez Mahler aussi, évidemment, c'est chez un compositeur, Mahler, bon, là, c'est Wagner, tous les postes romantiques ont beaucoup utilisé le trombone pour la musique symphonique. Hein. On va écouter cet adagio de la troisième symphonie pour orgue de Saint-Saëns. Voilà, on va l'écouter dans une version pour quatre trombones, toujours interprétée par le quatuor Helios. Et c'est encore un disque qui figure sur leur nouvel album. Un disque, on va tout de suite le dire, que l'on peut trouver à la FNAC de Nancy, c'est ça. Puis bien sûr, que l'on peut commander sur le site internet du quatuor Helios. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, donc on va écouter tout de suite cet adagio de Saint-Saëns. Thank you.
Voilà, c'était l'adagio de la troisième symphonie pour avec orgue de Camille Saint-Saëns dans une transcription pour quatre trombones jouée par le quatuor Helios qui vient ce soir dans nos studios présenter son disque intitulé tout simplement Première. C'est leur premier disque et donc c'est votre émission classique sur Fadjet le jeudi soir, concerto en Fadjet. On est ensemble jusqu'à 19h30. Alors le quatuor Helios, comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réunir pour fonder un quatuor comme ça avec un répertoire qui n'existe pas quasiment. Alors en fait à la base le quatuor, déjà on est amis tous les quatre avant de faire du quatuor. Parfois ça paraît évident mais il y a eu des quatuors à cordes qui s'entendaient pas du tout. Donc c'est bien de le préciser hein. On est vraiment amis. Et donc voilà, un jour l'idée nous est venue de pourquoi pas aussi travailler ensemble, donc faire du quatuor. Et donc voilà 3 ans après le premier CD. Et que signifie ce nom de Helios ? Alors tout simplement Helios, c'est le dieu dans la mythologie grecque, c'est ouais. Le dieu des heures et du soleil, donc voilà qui est apparenté à Apollon. En fait. Il y a aussi, je crois, un quatuor Helios qui fait des percussions. C'est un vieux quatuor. Bon, voilà. Il y en a plus beaucoup. Voilà, nous êtes un peu en concurrence, pas du tout. Alors donc je vous ai demandé de venir chacun avec un disque classique, puisqu'on est quand même dans une émission de musique classique, et je vous ai demandé de choisir quelque chose que vous aimez particulièrement et qui n'est pas lié à votre instrument. Enfin, de près en tout cas. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter individuellement. On va prendre les membres du quatuor Helios dans l'ordre alphabétique et c'est le Benjamin qui commence, François Chapuis. Bonsoir François. Bonsoir. Alors François, présentez-vous, vous êtes tout jeune, vous êtes le Benjamin du quatuor. Oui, j'ai 18 ans et donc je viens d'avoir mon bac, voilà. Mm-hmm. Donc on a commencé le quatuor, en fait, pour ma part, j'étais au lycée, je venais de rentrer au lycée. Oui. Et donc moi j'ai eu un parcours assez simple, en fait j'ai commencé la musique par le piano avec mes parents qui m'ont bien poussé, hein, qui ont été très présents. Et ensuite je me suis dit que je pouvais participer dans des orchestres ou d'autres formations instrumentales ou de la musique de chambre. Et je me suis dirigé vers le trombone parce que bon déjà c'est un instrument qui me plaisait beaucoup au niveau du timbre, qui est très riche sur la palette sonore. Et puis en plus j'ai eu la chance de rencontrer très tôt... un très très grand tromboniste qui est Alain Manfrin, en fait, qui est à l'orchestre de Radio France et avec qui mes parents ont entretenu de belles amitiés. Et c'est lui qui m'a fait découvrir le trombone. Et ensuite, je suis rentré donc dans la classe du conservatoire de Nancy chez Guillaume Kunzel. Et de cette expérience, j'ai pu ensuite présenter des concours et puis intégrer le Conservatoire supérieur de Lyon, d'accord, auquel je suis actuellement. Donc vous vous destinez plutôt à une carrière vraiment professionnelle, vous ne restez pas dans le registre amateur, c'est certain. C'est mon rêve, bien sûr, et puis je vais commencer très bientôt là, par des concours d'orchestre. Et puis déjà, le quatuor me permet de progresser sur le plan de l'expérience. Voilà, question basique, combien de trombones dans l'orchestre symphonique ? Alors donc il y en a trois, donc trois. En fait, donc ce qui en général explique... c'est deux trombones ténors et un basse. Ouais, donc ce qui explique que les places sont chères, parce que si vous étiez violoniste peut-être il y aurait davantage de places. Il y a moins de places, c'est sûr. Après on est moins nombreux sur le marché, ce qui reste quand même très sélect, hein, au niveau des concours. Il y a beaucoup de concurrents, à peu près 50 par concours, hein, pour donner une. Oui, c'est déjà important. Ça dépend après de chaque concours, mais. C'est sûr, après pour une place, ça fait cher, mais bon. Alors, je vous ai donc demandé de venir avec un disque, et vous avez choisi Debussy. Alors, je me dis, vraiment, on devait être un fan de Debussy, parce que c'est déjà vous qui avez réalisé la transcription de La fille aux cheveux de lin qu'on a écouté en début d'émission. Et là, Debussy, il n'a pas écrit grand-chose pour le trombone, lui, non ? Ah non, quasiment pas. On retrouve le trombone dans l'orchestre avec Debussy, même s'il n'est pas vraiment mis en valeur. Mmh. Et Debussy, pour moi, c'est un compositeur qui compte énormément, déjà parce qu'il reflète vraiment le courant artistique français du début du XXe, et puis c'est vraiment pour moi la révélation. Voilà. Allez, le passe-pied de la suite bergamasque joué par Samson François. Thank you.
Le passe-pied de la suite bergamasque de Claude Debussy, joué par Samson François. Le choix de François Chapuis, donc membre du Quatuor Hélios, puisque ce soir, nous parlons trombone dans cette émission. Nous recevons le Quatuor Hélios, constitué de 4 trombonistes, et qui vient nous présenter son disque première, disponible, il faut le rappeler, disponible à la FNAC, et puis disponible sur le site du Quatuor Hélios. On peut l'acheter directement en ligne. Alors, donc, ce programme très hétéroclite, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un programme que vous avez déjà rodé en concert. Vous êtes déjà produit en concert un peu partout dans la région, j'imagine. Alors, en fait, depuis que le Quatuor existe, on a fait, on en est à peu près à une bonne trentaine de concerts, je pense. Donc, c'est un programme qu'on a déjà joué plusieurs fois en concert, hein, parce qu'on se voyait mal enregistrer des pièces qui n'avaient jamais été jouées en concert. Et voilà, tout a été joué. Parmi les pièces, parmi les pièces par lesquelles on a commencé, c'est surtout La Fille aux cheveux de lin. On a commencé par cette pièce-là. Parce ouais, c'est une des premières que vous avez mis en place. Ouais, voilà. Puis surtout de se trouver tous les quatre, point de vue sonore, chercher une couleur de son agréable. Donc voilà, c'était l'une des premières pièces. Donc vous êtes produit surtout dans la région de Nancy jusqu'à présent, quoi, ou Metz également. Un peu partout, c'est sûr, surtout sur la région Lorraine. On est parti il y a 2 ans aussi, on a fait un concert à Villefort en Lozère. Voilà, puis on essaye d'un peu s'étendre, voilà. Alors donc, quand vous êtes en concert, vous prévoyez un programme d'une heure et demie, c'est ça à peu près, quoi, j'imagine, hein. Un concert, c'est à peu près ça. D'une heure et demie qui va du classique baroque. Classique jusqu'au jazz. Et donc, quand on fait un programme comme ça, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres destinées au quatuor de trombone, on joue des transcriptions, et là, vous choisissez plutôt des œuvres connues. Enfin, je dis ça pour annoncer la pièce qui va suivre, c'est la valse de Shostakovich. Ça, c'est une œuvre qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce de Shostakovich, hormis le fait qu'elle soit connue, hein. Je vais juste revenir un peu juste avant sur il y a du répertoire pour trombone, il y a du répertoire. Mais on voulait pas enregistrer du répertoire du répertoire propre au trombone pour le premier disque, parce qu'on trouvait important que les gens aient des repères auditifs. Et la valse numéro 2 de Chostakovitch en fait partie. C'est une pièce que tous les gens, beaucoup de personnes connaissent, par la pub, par beaucoup de choses comme ça. Et voilà, on trouvait important que les gens aient ce repère-là. Voilà. Ben c'est bien. De toute façon, c'est vrai que c'est une pièce, je l'imagine, assez agréable à jouer en plus. On va l'écouter tout de suite. Donc, la valse de Shostakovich, très célèbre, valse de jazz par le Quatuor Hélios. Ça figure également au programme de leur disque. Thank you.
la valse de Shostakovitch, telle qu'on ne l'a jamais entendue finalement, pour quatre trombones, c'est assez étonnant, par le Quatuor Helios, un titre qui figure donc sur leur disque intitulé Première. Alors le trombone, c'est un instrument qui a une place importante dans les conservatoires, donc j'imagine qu'on peut apprendre le trombone dans n'importe quelle école de musique quand même, c'est un instrument qui est bien représenté dans les conservatoires. Alors effectivement, c'est un instrument qu'on retrouve dans tous les conservatoires de France. Après, c'est vrai que c'est plus délicat de trouver des professeurs dans chaque école de musique, parce qu'on n'a pas la chance, dans toutes les structures, d'avoir un professeur de trombone pour un, voire deux élèves. C'est vrai que c'est pas l'instrument le plus demandé aujourd'hui. Mais bon, en général, les élèves trombonistes sont vraiment bien choyés par les professeurs, parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas la chance d'en avoir une dizaine, donc ils en profitent. À quel âge on peut commencer l'étude du trombone? Ben, je pense qu'on peut... Enfin, ça dépend, c'est surtout... J'en vois un qui fait deux ans quand même. C'est au niveau morphologique, hein. Ouais. Après ça dépend. Je pense raisonnablement entre 6 et 8 ans, on peut commencer l'étude du trombone. Alors on va présenter encore un membre du Quatuor Helios, c'est Arnaud Georges qui joue le trombone basse, c'est ça? Voilà, oui. Donc c'est un rôle un peu ingrat ou pas? Non. Êtes un peu dans les pom 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 pom, non c'est ça? Un peu. Il fait juste les pom. D'accord. Bon, alors Arnaud Georges, vous avez commencé à quel âge l'étude du trombone, vous? Alors moi j'ai commencé à 6 ans l'étude du trombone. À 6 ans? Oui, à 6 ans, ouais. Ah bah, non, je suis originaire de Contrexéville dans les Vosges, donc j'ai commencé là-bas. Voilà, j'ai découvert le trombone à l'école primaire, à la suite d'une présentation d'instruments. Voilà, et donc je suis resté jusqu'à... Donc j'ai fait toutes mes années collège à Contrexéville. Ensuite je suis parti à Épinal, où je suis rentré à l'école de musique d'Épinal. Et puis, donc là-bas, je suis parti au lycée aussi Épinal. Ensuite, je suis rentré à Nancy, voilà, au conservatoire de Nancy. Et donc, je suis rentré l'année dernière, donc un an avant François, au conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Ouais. Et donc, vous aussi, vous vous destinez à un parcours professionnel dans la musique? Ah bah maintenant, c'est bien engagé, oui. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait de la Tosca. Pourquoi cet opéra? Qu'est-ce qui vous plaît? Eh ben... Quand vous nous avez demandé de ramener un disque, j'y réfléchis. Et finalement, je trouve pas de réponse. C'est un air qui me fait, je sais pas, ça me donne des frissons, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me... je sais pas, je peux pas l'expliquer, vraiment pas, voilà. Ouais, bah, c'est un des plus beaux airs, certainement, de Puccini, de l'opéra, de l'histoire de l'opéra, c'est Elus Evan, donc, l'air fameux de Mario à la fin de la Tosca. On va l'écouter, dans une version de référence. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous nous gâtez, vous avez choisi la version de Karajan avec, Léontine Price et Giuseppe Di Stefano. On entendra, bien sûr, uniquement Giuseppe Di Stefano dans cet extrait. Voilà.
Concerto en Fadjet, votre magazine classique. On est ensemble jusqu'à 19h30 et c'était l'air de la Tosca et Lucevande chanté par Giuseppe Di Stefano, l'orchestre philharmonique de Vienne, direction Carayanne. Le choix d'Arnaud Georges, membre du Quatuor Hélios. Le Quatuor Hélios, quatre trombonistes, quatre garçons dans le vent, qui viennent donc nous présenter leur disque qui vient de sortir en autoproduction. Un disque disponible, bien sûr, à la FNAC, à Nancy, peut-être bientôt à Metz, hein, on l'espère en tout cas. Et on va continuer, donc on va parler un petit peu donc des pièces de jazz. Alors ça, le jazz, c'est, on peut passer facilement du classique au jazz quand on joue du trombone. Il y a pas une formation particulière ou ah, c'est Guillaume qui va répondre. Je vais répondre à cette question. Alors en fait, au niveau du classique, effectivement, on a tout un cursus conservatoire qui est assez clairement balisé et défini pour l'apprentissage du trombone. Au niveau du jazz, il existe aussi des cursus dans les écoles. Néanmoins, enfin, au niveau variété et jazz, il y a quand même un petit peu l'école du terrain, on va dire, qui consiste à aller dans les jam sessions ou se retrouver à faire, discuter avec d'autres musiciens dans des festivals, des choses comme ça. Et donc, du coup, ça se joue beaucoup au contact et un petit peu à l'expérience pratiquée. C'est ce qui m'est arrivé, moi, par rapport au jazz. J'ai eu la chance d'y être tôt initié grâce à mon cousin qui est guitariste de jazz. Donc vous avez suivi un peu les deux écoles classiques jazz. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de choses en jazz pour le trombone, notamment Glenn Miller, non ? Oui, pour le plus connu, Glenn Miller, effectivement. Mais bon, il en existe encore beaucoup d'autres. Et je pense que ça serait difficile de tous les citer là, les références au niveau jazz, tellement il peut y avoir de référence, justement. On va écouter une pièce qui figure sur l'album, c'est Portrait de George Gershwin. Pour moi, ça, c'est vraiment un des meilleurs moments du disque. Hein. Je le dis, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument remarquable. C'est un patchwork de différentes pièces de Gershwin. On retrouve Un Américain à Paris, la célèbre Rhapsody in Blue, The Man I Love, différents titres de Gershwin que vous avez vraiment remarquablement assemblés. Qui a eu l'idée de... Ah ben non, c'est pas vous qui avez le... C'est pas vous qui avez écrit cette transcription, mais quand même, bon, comment avez-vous découvert ce portrait de Gershwin ? En fait, c'est un célèbre tromboniste basse qui s'appelle Guy Destank, qui était professeur de trombone à Bordeaux et qui était trombone basse dans un orchestre parisien. D'accord. Et qui était un très grand tromboniste et un très grand pédagogue et qui a écrit énormément d'arrangements pour le trombone. Alors, on écoute tout de suite un extrait de ce portrait de George Gershwin, toujours extrait du premier disque du Quatuor Hélios. Thank you.
Extrait du portrait de George Gershwin qui a été fait par le Quatuor Helios pour son disque Première. Quatuor Helios que nous recevons ce soir dans l'émission qui vient nous présenter cet album. Le trombone finalement manque peut-être de visibilité parce qu'il n'a pas encore trouvé sa star en quelque sorte. On sait que la flûte c'était Jean-Pierre Rampal qui a beaucoup fait pour la flûte. Maurice André qui vient de nous quitter qui a énormément popularisé la trompette. Est-ce qu'il y a des trombonistes célèbre. Enfin, moi, j'ai du mal à avoir des noms qui me viennent à l'esprit. Alors, peut-être vous allez nous en donner. Il y a quelques trombonistes célèbres, mais qui restent quand même célèbres pour le milieu des cuivres. On a, par exemple, on a un Français qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qu'on considère parmi les plus grands solistes internationaux, c'est Michel Becquet. D'ailleurs, qui est le professeur de François, et qui était mon professeur quand j'étais au conservatoire à Lyon, il y a très longtemps, moi. Mais autrement, dire, ça reste quand même assez confidentiel, parce que c'est un instrument qui est toujours, on a une vision qui est toujours assez négative, cet instrument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait, au niveau du CD, un peu casser cette image d'instrument soit clown qui est utilisé dans l'opéra, soit Valkyrie où c'est la puissance et uniquement. Donc on voulait vraiment donner un peu une couleur un peu intimiste aussi et donner une autre image du trombone. Voilà, bah c'est particulièrement réussi parce que ce disque vraiment ouvre des sonorités, enfin nous dévoile toute la palette de sonorités du trombone. Moi j'ai été très très surpris par ce disque qui m'a vraiment fait découvrir cet instrument que je connaissais très très mal finalement. On va faire la connaissance de Guillaume Lebowski qui lui est donc aussi un membre éminent de ce quatuor Helios. Guillaume, alors vous avez commencé le trombone à quel âge? Comment c'est venu? Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit dans la marmite du trombone? Alors moi c'est une histoire un petit peu particulière. J'ai commencé le trombone à l'âge de 10 ans après avoir fait un an de trompette. Parce qu'il se trouve que le mari de ma mère était prof de trompette. Donc j'ai fait un an de trompette. Mais comme au bout d'un moment j'en avais marre d'avoir un professeur à la maison, j'ai décidé de faire un autre instrument pour être un peu plus tranquille.
Et un mercredi après-midi, on m'a emmené à l'école de musique du Sablon, qui se trouve à côté de Metz. Et donc j'ai fait toutes les classes d'instruments le mercredi après-midi, le jour où il y a le plus de cours. Mmh. Et j'ai été vraiment subjugué par le trombone et le professeur de trombone, Paul Lallemand, avec qui donc j'ai été élève pendant pas mal d'années, quoi. Et est-ce qu'on peut faire une carrière de concertiste en tant que tromboniste ou pas? Je pense que oui, c'est faisable, hein. On en a certains, donc dans le Nord, notamment Christian Lindbergh, qui s'est consacré au trombone et qui, bon, maintenant, avec le temps, s'est plus orienté vers la direction d'orchestre. Mais pendant de nombreuses années, il a fait donc concertiste, tout comme en France, Jacques Mauger, qui se consacre voilà. On va écouter votre choix, c'est Arthur Honegger. Qu'est-ce qui vous séduit chez ce compositeur? Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est l'image qu'on peut avoir. Alors c'est Pacifique 231. C'est donc je ne vous dis pas de quoi il en retourne. Non, mais si, il faut le dire parce que c'est une pièce qui est pas forcément très souvent entendue finalement. C'est la pièce la plus célèbre d'Honegger, mais on l'entend rarement, hein, quand d'accord. même. D'accord. J'ai trouvé, en fait, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la recherche de couleurs, donc de sonorités qu'Honegger a cherché pour exprimer le trajet d'un train. Et donc, je trouve que c'est extrêmement réussi parce que tout ressort à ce niveau-là, quoi. Voilà, bah on prend le train tout de suite, allez, on monte dans le train. Et voici Pacifique 231 d'Arthur Honegger, tout au moins un extrait, par l'orchestre de la Tonale de Zurich, direction David Zinman.
et ainsi de suite. Un train donc qui part à toute vitesse dans la nuit. C'est Pacifique 231 d'Arthur Honegger par l'orchestre de la Tonale de Zurich, direction David Zinman. Le choix de Guillaume Lebowski, membre du quatuor Helios. Alors on va faire connaissance avec le dernier mousquetaire du trombone, donc Lionel Lutz. Lionel Lutz, alors vous êtes professeur de trombone, hein, je crois. Oui, je suis professeur, mais c'est pas mon activité principale. En fait, je suis musicien à l'Orchestre de Nancy, à l'Opéra de Lorraine. D'accord. Et donc, comment vous avez-vous découvert le trombone ? Eh bien, j'ai commencé en fait par le piano, comme François. Et puis, mon père était tromboniste amateur dans une harmonie. Et en fait, le trombone est un instrument qui me faisait sourire, qui me faisait rigoler. Donc, j'ai eu envie d'essayer. Et très vite, j'ai laissé tomber le piano. Et je me suis consacré entièrement au trombone. Parce que hors micro, vous me parliez du trombone comme un instrument de clown, enfin de, ça a une utilité, enfin un rôle dans les cirques ou dans des musiques. Oui, dans le cirque, on voit le trombone est un, il y a un côté visuel qui est aussi un peu clownesque, mais on voit aussi dans le répertoire symphonique ou à l'opéra que le trombone est utilisé souvent comme un nez rouge, quoi. Je veux dire, c'est le cheveu sur la soupe qui vient un peu déranger l'histoire. Alors justement, à propos d'histoire du trombone, l'ancêtre du trombone, c'est comment ? La sacboute. La sacboute. Ça, c'est un instrument aussi qui a été redécouvert il n'y a pas tellement longtemps. Oui, il y a des gens qui sont... Bon, c'est un peu la mode de remettre un peu tous les instruments anciens au goût du jour. On a un spécialiste en France qui est Daniel Lassalle, qui a énormément fait pour la sacboute et qui est professeur aussi au CNSM à Lyon, et qui développe actuellement... faire revivre la sacboute, quoi. Donc la sacboute, là, c'est un instrument qui a naturel, je dirais. Il y a pas de piston, il y a pas de... Ah oui, mais comme le trombone, hein. On a le trombone actuellement moderne avec la coulisse. Un système de valve, mais bon, l'ancêtre, c'est le tube simple où il n'y a que la coulisse. Et c'était le premier instrument, d'ailleurs, qui pouvait faire toutes les notes de la gamme. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter un petit extrait du Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Tout à fait. Et ça, c'est un compositeur que vous aimez particulièrement. Oui, c'est un compositeur que j'affectionne particulièrement pour toutes ses pièces orchestrales, bien sûr, où on parle de Alpen Symphony ou des choses comme ça, mais aussi au niveau des airs d'opéra où vraiment il y a une recherche, et ces termes me donnent tout simplement des frissons. Comme disait Arnaud, on n'a pas envie d'intellectualiser, là c'est simplement l'émotion pure, et c'est vraiment une émotion que je voulais vous faire partager, parce que pour moi c'est vraiment un air vraiment d'une douceur et d'une sensibilité incroyable, quoi. C'est le rôle de la musique, hein, d'aller droit au cœur. Voilà, et là, on va écouter donc cet extrait du Chevalier à la Rose. C'est la version de référence que vous avez choisie. Herbert von Karajan avec Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Teresa Strich-Schrandall. Un extrait de cet opéra de Richard Strauss tout de suite. Le choix de Lionel Lutz. Thank you.
C'est presque un crime hein, de couper cette air du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, la version de référence. Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Teresa Strichandal et puis Karajan à la tête du Philharmonique de Vienne. C'est le choix donc. Philharmonie Orchestra. Du Philharmonie Orchestra, pardon. Oui, c'est la période IMI. Hein, voilà. C'est beaucoup de Philharmonie Orchestra à cette époque-là. C'est donc le choix de Lionel Lutz, membre du Quatuor Helios, le Quatuor Helios que nous recevions ce soir pour la présentation de son disque Première, donc un premier album. Il y en aura d'autres, des albums ou pas? C'est déjà prévu ou il y a un programme en cours ou pas? Eh bien, on y pense, mais non, mais pour le moment, on en profite un peu aussi pour faire des concerts, surtout, voilà. Donc justement, je crois que vous allez faire une tournée à travers la France. Alors, au mois de juillet, c'est même plus un projet parce que les dates sont déjà bloquées. Donc on va faire une petite tournée. On va aller en Lozère, on fait un concert à la cathédrale de Mende, ensuite dans un village qui s'appelle la Garde-Guérin, dans une toute petite église, un village médiéval, ensuite à Villefort. Et nous partons ensuite en Charente-Maritime à Dampierre-sur-Boutonne, dans une église qui vient d'être rénovée, pour un festival qui s'appelle les Nuits Romanes. Et le trombone dans une église, pas de problème de réverbération, de choses comme ça, non ça... Ah non, bien au contraire, c'est vraiment... L'acoustique est bonne. Ouais, l'acoustique est vraiment... idéal pour nous quoi. Alors il y a trompette et orgue, pourquoi il n'y aurait pas trombone et orgue? Il y a trombone et orgue, pardon. Il y a du répertoire aussi, pas énorme, mais il y a du répertoire. Alors on va terminer l'émission avec une pièce qui a été arrangée par l'un des membres du Quatuor Helios, c'est Batman, la musique du film, donc arrangée par Guillaume Lebowski. Non, c'est Arnaud Georges qui a... Non, c'est Guillaume, mais je voudrais en profiter juste avant que vous passiez de Batman pour remercier, parce que là sur le Batman on a un percussionniste qui est venu nous donner un petit coup de main qui s'appelle Pierre Bon, je voudrais le remercier, voilà. C'est histoire de faire les choses officiellement, et puis aussi remercier tous les gens, Christophe Montaigu qui nous a fait la prise de son, Julien Hullard pour le mastering, et puis tous les gens surtout qui nous ont supportés pendant le temps de l'enregistrement, parce que c'est pas évident. Je pense aussi à nos compagnes respectives. Voilà, parce que ça prend énormément de temps et c'est pas évident de réussir à concilier tout ça, voilà. Bon, donc Guillaume, c'est un arrangement que vous avez réalisé uniquement pour le concert là. C'est un arrangement que j'ai réalisé uniquement pour le Quatuor Helios. Pour le Quatuor Helios. Que j'ai fait. Pour les musiciens du Quatuor Helios. D'accord, en tout cas ça sonne bien, et puis donc on va voir le Quatuor Helios dans un autre répertoire que le classique. Voilà, ben merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Tous les renseignements concernant les disques diffusés seront sous peu disponibles sur le site Concerto en Fajet. Et puis je vous rappelle que le disque du Quatuor Helios est disponible déjà à la FNAC de Nancy, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis on peut le trouver aussi sur le site internet du Quatuor. On peut le commander. www.quatuorhelios.com. Voilà, donc probablement que ce disque sera aussi disponible à la FNAC de Metz sous peu. Oui. Merci messieurs d'avoir participé à l'émission. On se quitte avec Batman, la musique du film, par le Quatuor Helios. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.